Si qu'il n'était pas une entreprise authentique, on n'allait pas suivre pendant 20 ans. Dans toute entreprise dans le monde entier, il y aura toujours des mauvaises pommes. En 24 heures sur 24, on ne peut pas véritablement suivre de façon correcte chaque répartant dépendant dans les activités. Nous avons une politique de refinancement, de remboursement et des personnes qui disent que, par exemple, ont été escroquées ou ont été mal orientées, ils ont la possibilité véritablement de se plaindre à l'endroit de CUNET. Et donc, après une investigation sérieuse, et nous allons prendre véritablement des mesures très sérieuses à l'encontre de ces coupables. Et également aller plus loin pour voir les autorités locales pour prendre des dispositions légales contre ces coupables. Vous voyez, c'est un peu logique et naturel de voir des personnes qui se disent qu'elles ont été escroquées, okay, sur la base du fait que souvent, il y a des personnes également qui estiment que, comme elles n'ont pas réussi, okay, dans ce business-là, c'est une escroquerie, c'est un leurre. Sur la base des 19 dernières années, j'ai expérimenté beaucoup de cas à travers le monde entier où une personne devient un répartant indépendant de CUNET et cette personne-là, elle s'est engagée avec passion, avec beaucoup de positivité dans l'activité de CUNET pendant 3 à 6 mois. Mais malheureusement, cette personne ne s'est pas disposée à y consentir des efforts. Et donc, comme elle ne voit pas les résultats, elle commence à se plaindre. Donc, si elle ne me plaint pas, il faut que je prenne, il faut qu'on me rembourse mon argent. Donc, ayant dit cela, j'accepte le fait qu'il y a des cas authentiques où des personnes véritablement sont trompées. Mais lorsqu'on prend la grande majorité, ça constitue une part véritablement très minimale. Et il nous a toujours conseillé depuis le début concernant notre établissement au Mali et plus largement en Afrique de l'Ouest, nous a conseillé là-dessus. Il n'est pas impliqué dans l'opération du business au quotidien, il n'a pas d'engagement direct. Et c'est cette raison-là pour laquelle il ne peut pas vous dire avec détail qu'est-ce qui se passe à Fana, qu'est-ce qui se passe ici et là. Et cette question, par exemple, de Fana, c'est une question administrative, purement administrative, par rapport à laquelle M. Joe et l'avocat local y travaillent. Donc, CUNET veut être véritablement ici au Mali pour un bon moment. C'est vrai, il y aura des embûches tout au long du chemin. Donc, ne perdons pas de vue cette vision dans laquelle l'entreprise veut contribuer au développement du Mali.